Oyez, oyez l'incroyable histoire du roi Hugo III couvert de gloire. Tous le respectaient. Certains même le craignaient. Et tous, oui, excepté un dragon sans pitié. Dragon, sors de ton trou, on va trottir au barbecue. Oui, on va t'embrocher de la tête aux pieds. Dragon, reviens ici. On devrait cuire des oignons. C'est ce qu'on fait au pays de patates et dragons. Je t'entends très clairement, Mélodine. Eh, bon travail, Merlin. Votre invention marche super bien. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Jou! Arrive! T'attends quoi pour écrabouiller cette mouche? En garde! Agresseur de pauvre roi sans défense! Hey, du calme, chevalier! Il voulait seulement écraser cette vilaine mouche qui mettait en péril la sieste royale! Vous attaquiez une pauvre mouche sans défense? Ouais. En garde! Hey, calmez-vous tous les deux. Et est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Chevalier de la Vega, défenseur des veuves, des orphelins, des mouches et de toutes les créatures sans défense à votre service. Bon, chevalier Gaga, on peut dire que vous tombez à pic. Vous savez, il y a un horrible dragon dans ce royaume et il n'arrête pas de m'embêter. Oh, vous, vous allez me débarrasser de lui. Avancez, avancez, plus vite. Sa grotte est par là, là-bas, pas loin. Mélodine, tu me reçois? Un nouveau chevalier est arrivé. Peut-être qu'il est dangereux, mais moi, j'ai un plan. En garde, carboniseur de pauvre roi sans défense. Mais... qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a été attaqué par... une grenouille. Une grenouille sanguinaire, c'est vrai. Une méchante grenouille sanguinaire. Mais comment ça? Pas dangereux. Restez un peu dans le coin et vous verrez. Vous n'aurez pas à attendre bien longtemps pour voir ce monstre me faire du mal. Il carbonise mes moustaches tous les jours. Et par sa faute, je suis complètement traumatisé. Très bien. J'accepte de rester un peu plus longtemps. Justement, j'ai une grenouille sanguinaire à retrouver. Je sens que mon père mijote quelque chose. Je le surveille. Si je me couvre de sauce à grillade, le dragon ne pourra pas résister à l'envie de me cramer. Comme ça, le chevalier des gars verra qu'il est méchant. Je voudrais des feux d'artifice. Il vous en reste? Oui, quelques-uns dans le coin là-bas. Coucou, dragon, j'ai une surprise pour toi. C'est moi, le roi Hugo, et je suis recouvert de bonne sauce à grillade. En garde! Tu viens de rôtir ton dernier roi, reptile! C'était un accident! Le dragon ne voulait pas faire de mal! Il était en train de préparer un feu d'artifice pour les veuves et les pauvres orphelins du royaume! Laisse-moi t'embrasser, dragon! Qu'est-ce que je vous disais? Il n'est pas dangereux! Restez encore un peu. Je vous promets que vous verrez que ce dragon est un vrai monstre. Halte là, batracien assassin, exterminateur de mouches. En garde. En garde.
En garde! Dis donc, ce chevalier n'a peur de rien. Vite, viens voir. Qu'est-ce que papa mijote encore? Cet horrible dragon a essayé de me prendre au piège. Allez voir dans sa grotte, c'est plein de pièges partout. Pauvre petite chose, elle a volé droit sur ma main. En garde, affreux piégeur de pauvre roi sans défense. Mais il ne voulait pas lui faire de mal. Le dragon parcourt la forêt pour enlever les pièges qui pourraient blesser les animaux. Laisse-moi t'embrasser, dragon. Cette fois, il ne s'en sortira pas. Coucou, dragon! Dragon! Ah! Au secours, il va me pulvériser! Me canoniser! Papa! Oh, oh. Laisse-moi t'embrasser, tu es si brave. Brave? Vous êtes aveugle ou quoi? Vous voyez pas qu'il joue la comédie? C'est où l'hypocrite à deux pattes, l'écrabouilleur de mouches, agresseur de pauvres dragons sans défense? En garde! Papa! Pourquoi tu m'as cramé? J'essayais de te sauver. Ah, j'en ai assez. Si vous ne savez pas faire la différence entre les méchants et les héros, je n'ai plus rien à faire ici.